bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce match qui va débuter dans quelques instants. Et nous retrouvons donc le Paris Saint-Germain contre le Real Madrid. Bonjour et merci de nous retrouver, Darren Tulette et moi-même, Grégoire Margoton, pour le match d'aujourd'hui. Mes respects, cher Grégoire. Voilà une affiche plutôt sympa, j'espère qu'on va se régaler. Le stade entier vibre au son de l'hymne de l'UEFA Champions League. Et voilà, sous nos yeux, les compositions d'équipe. L'arbitre donne le coup d'envoi. Et il y a du beau monde sur la pelouse. Qui faudra-t-il surveiller selon vous? Je dirais peut-être Lucas Modric, l'excellent meneur de jeu croate. Il est très actif. Lewandowski! Oh, le gardien est là, la classe! Et ça, c'était pas facile à arrêter, croyez-moi. Il y a quelques signes prometteurs de leur côté en ce début de match. À eux d'en profiter maintenant. Va-t-il en profiter? Toni Kroos qui choisit le côté gauche. Daniel Alves qui met bien le pied. Toni Kroos, longue ouverture en direction du poteau de corner. Ballon intercepté, ça soulage la défense. Marco Verratti. Draxler. Un ballon intéressant. Par-dessus les défenseurs. Bien servi. C'est parfait, magnifique. Oui, ça pouvait être dangereux, il fallait impérativement l'arrêter. Il joue en profondeur. Et cette tête! Oh, but! But pour le Paris Saint-Germain! Un coup de tête magnifique! Qu'est-ce que c'est bien joué ça! Comme quoi, pas besoin d'être un grand attaquant pour marquer de la tête. Pour assister à l'ouverture du score. Il relance côté droit. Modric. C'est bien la passe à 10, mais il faut essayer d'être plus dangereux. Le ballon sort en touche. Le ballon sort en touche. Oh, voici Bale. Vous avez remarqué comme les latéraux montent, quoi. Oui, c'est vrai, mais je suis sûr que ça correspond à une tactique précise, non? À mon avis, c'est pour forcer les ailiers adverses à redescendre. Plus ils sont loin de votre cage, moins ils peuvent causer des dégâts. Il y a peut-être un coup à jouer. Oh, le coup de tête! Il y a donc... Il peut tirer! À côté! Ce ballon qui lui est revenu un petit peu par hasard, mais malheureusement, il n'a pas su saisir sa chance. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent. Il y avait de l'idée, mais le geste était compliqué quand même. Marco Verratti. Draxler. Il s'enfonce, côté droit. Le bon dribble. La passe dans la profondeur. Lewandowski! Lewandowski!
Lewandowski. Bien repoussé par le gardien. Quelle classe, c'était un arrêt extraordinaire. Premier corner dans cette rencontre. Long ballon dans le sens du jeu. Rabiot. Ça joue à gauche. Oh, Lewandowski. Lewandowski qui choisit le côté gauche. Allez, c'est dangereux. Mais ça passe tout près du poteau gauche. Oh, c'était pas loin ça, à peine quelques centimètres. La longue ouverture sur l'aile. Allez, ça peut faire mal. Superbe timing à la limite du hors-jeu. Mais c'était bien dans l'idée, mais la passe n'était pas assez précise. Il voit sa passe interceptée. C'était une bonne passe, mais la défense ne s'est pas laissée prendre. Il est passé. Il met le pied, ballon récupéré. Rabiot, oh, il a bien vu son coéquipier. Et ce ballon vers ses attaquants. Casemiro. Le coup de sifflet de l'arbitre avec les joueurs qui vont pouvoir regagner les vestiaires pendant cette pause. 15 minutes qui vont faire le plus grand bien. 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé, pourquoi pas. Alors, qu'avez-vous pensé de cette première période ? Je ne sais pas ce que vous en pensez, Grégoire, mais je pense qu'il mérite beaucoup mieux. Regardez les stats, et surtout le nombre de tirs. Le score donc 1-0. On espère encore plus de jeux, de spectacles au cours des 45 prochaines minutes. Si vous vous étiez absenté pendant la pause, vous n'avez rien manqué. Le match vient tout juste de reprendre. Un petit but d'avance, ils font la course en tête pour l'instant. Le ballon sort en touche. Modric, dans l'espace. Oh, il l'a récupéré. Lewandowski. Neymar. Lewandowski. Il y a peut-être un coup à jouer. Il est à distance de tir. Le coup de sifflet, ce sera une faute. D'ici, il peut très bien tenter une frappe directe. Oh, l'occasion rêvée pour prendre le large. Lewandowski, somptueux! Quel but somptueux! C'est un but phénoménal! Yes! Go! Oh, maintenant, ça va être difficile de les reprendre! Oh, c'était parfait! Le gardien ne pouvait rien là-dessus! Il savait qu'il pouvait marquer de là où il était, et après, rien à dire sur l'exécution. Le tableau d'affichage indique désormais 2-0. 1-0, on n'est pas à l'abri, mais là, ils ont fait le break et ils peuvent gérer. Le gardien loin devant. Oh, Benzema, l'accélération, ouverture vers le poteau de corner, une occasion. Ça peut faire mal. Neymar, la qualité du marquage est à souligner quand même. Vu qu'il a déjà marqué, il n'est pas impossible qu'il veuille remettre ça. Il glisse le ballon en profondeur. Bien joué, ça. Oui, il peut frapper, là. C'était presque au fond. Ah, c'était ambitieux, c'est sûr. Et à cette distance, il aurait fallu un exploit pour battre le gardien.
Oh, c'était pas loin. L'équipe entière tourne autour de lui, c'est clair. À la limite, l'équipe joue pour lui. Toni Kroos. Il écarte, il joue sur l'aile. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Le long dégagement du gardien. On dirait qu'il se méfie de la vitesse des attaquants adverses. Et c'est ce qui les empêcherait d'aller au pressing, à votre avis? Oui, parce qu'une petite passe en profondeur peut faire beaucoup de mal. Il est lancé vers le poteau de corner. Il est bien placé dans la surface. Oh, la frappe! Sur le poteau! Un grand dégagement le plus loin possible. Et c'est directement récupéré. Marco Verratti. Oh, Cristiano Ronaldo. Oh, Benzema. Il écarte le jeu. Cristiano Ronaldo. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Oh, l'interception. Toni Kroos. Casemiro. Il va se présenter seul. Attention, la frappe! Et voilà, but! Il compte désormais 3 buts d'avance. Leurs adversaires sont KO debout, là. Quelle boulette! Et les conséquences sont terribles. Bon, je pense qu'il a un peu de réussite, là, mais c'est aussi grâce à son pressing haut qu'il récupère ce ballon. Oh, l'efficacité diabolique. Hat-trick pour lui, aujourd'hui. Il est vraiment irrésistible en ce moment. On dirait qu'il a marqué sur chacun de ses ballons. Le match reprend 3-0 au tableau d'affichage. Raphaël Varane. Cristiano Ronaldo. Oh, le petit ballon piqué. Le gardien loin devant. Bonne lecture de la trajectoire. Benzema. Ouverture lumineuse. La défense l'a très bien muselé sans lui laisser d'espace pour se retourner. S'il le trouve, Cristiano Ronaldo. Belle passe lobée sur l'aile. Ah, il est bien monté. Il est tout seul. Oh, quel geste. Marcelo qui centre. Oh, c'est chaud là. Oh, voilà le coup de sifflet final. C'est fini. Aucune contestation après cette victoire. Une véritable démonstration offensive aujourd'hui. Alors dites-moi, dites-nous, qu'avez-vous pensé de ce match? C'est sûr qu'en marquant si tôt dans le match, ils ont fait le plein de confiance. Clairement, la victoire ne pouvait pas leur échapper aujourd'hui. Voilà, c'est fini pour ce soir. Merci Darren de nous avoir livré vos analyses tout au long de cette rencontre. À très bientôt, salut.